Salut! Aujourd'hui, pour notre capsule, on va pratiquer des passes. On va pratiquer des passes à deux. Donc, comme que vous pouvez le voir sur l'image devant vous, vous allez vous mettre deux, un en face de l'autre. Vous allez vous tenir un compte et votre ami, votre coéquipier, va se tenir devant vous, environ 5 à 10 mètres devant vous. Ensuite, entre vous deux, vous allez mettre des cônes qui vont être à une distance de 5 mètres, un peu comme vous le voyez. Donc, vous allez créer un peu un losange. Et là, ce qu'on vous demande finalement de faire pendant ce moment-là, c'est bien simple. C'est votre ami va vous rouler le ballon à la main vers un des cônes. Vous allez courir vers ce cône-là, faire une passe. Ensuite, en reculant, vous allez vous rendre à votre cône de départ et vous allez aller vers le cône opposé, celui que vous n'avez pas fait votre passe, et votre ami va vous relancer le ballon. Donc, ça va ressembler un peu à ça. Donc, on le voit ici. Je suis avec mon collègue Ryan Bradley. Il va me rouler les ballons à la main. Donc, quand je suis à gauche, je passe le long du pied gauche. Quand je suis à droite, je passe le long du pied droit. On se rappelle, ce qui est vraiment important quand on fait une passe, c'est le pied d'appui doit être à côté. Il oriente le corps et la passe finalement. Et on frappe le ballon avec la partie intérieure du pied, puis on frappe en plein milieu du ballon. Donc on est sûr que le ballon va rester au sol, ça va être une bonne passe forte. Donc vous allez en faire 10 de chaque pied. Bien important de toujours reculer après la passe. Puis essayer d'y aller à 70% de capacité. Là, on voit, après avoir fait 10 de chaque, Ryan, mon collègue, a décidé de commencer à faire des passes au pied. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et là, vous voyez que la passe, elle a été ratée. Donc, Ryan est allé chercher le ballon. Moi, pendant ce temps-là, je suis resté au cône et j'ai continué à sauter sur place. Ici, on vient de voir que je me suis mal ajusté avec la passe de Ryan. Donc, j'ai dû prendre mon pied droit. Donc, c'est ça. Vous continuez, vous en faites 10 de chaque. Une fois que ça devient, une fois que vous avez fini, les 10 prochaines passes de chacun des pieds, Ryan va me poser des questions. Vous faites pareil. What?